Les amis, épisode 12 si je me trompe pas, j'espère que t'as la patate, c'est Jaya, bienvenue sur ton let's play GTA V, le let's play le plus n'importe quoi du web. En tout cas, j'espère que tu te portes bien, j'espère que je vais pouvoir arriver tranquillement chez Trevor, et on va continuer notre petite aventure tranquillou. Alors si ta mémoire est bonne, la dernière mission nous nous sommes arrêtés, rappelle-toi, toi-même, même moi je sais pas où on s'en était arrêté, je me rappelle pas du tout. Si, je crois que la dernière mission, il me semble, si ma mémoire est bonne, qu'elle était bien. C'était bien, une bonne dernière mission. Je sais que là on va aller sur... doucement, elle est terrible cette caisse. Je l'ai trouvée au stand de golf, tu vois, le mec il m'avait laissé les clés, je me suis dit on va la prendre. Elle est magnifique, faudrait jamais dans mon garage, le garage à Trevor. Comme ça j'aurai toujours cette belle voiture avec moi. La dernière fois, j'étais allé sur ce point, T de Trevor, et au final j'étais avec Michael, au final j'étais allé pour rien parce que c'était une mission pour Trevor. Et cette fois-ci, je sais que j'y vais pas pour rien, je sais que j'y vais avec Trevor pour faire une mission à Trevor et continuer l'aventure GTA. Là on va dans l'appartement du cousin, on se garde toujours là-dessous. J'ai un garage au fait ici, tiens. Il faut qu'on puisse la garder cette voiture. Attends, bouge pas, analyse la situation. Là, il y a la grosse voiture de Trevor sur le côté. Non, il n'y a pas là. À mon avis, il n'y a pas de garage. Parce que si. Par contre, il y a une demeure à acheter, mais très chère. Là, ici. C'est dommage qu'on puisse pas la garder. Allez, on va chez le cousin. On est chaud patate. J'espère que tu es content d'être ici. J'espère que tu es content de ta life. Parce qu'il faut être content de sa life. Il y a des gens bien plus malheureux que nous sur la planète. Je sais pas pourquoi j'ai envie de te dire ça. Donc là, c'est parti. Trevor is a what? Trevor is a good guy. He's got family. Got kid, ain't he, Floyd? That's it, right. Yes, Trevor. but the thing is, I ain't been with that many women. I don't find it easy. And Deborah, we're getting married. So, that's beautiful. T'as vu, j'ai mis la chemise de papa et tout. Le daron de YouTube, c'est qui? Va en trouver des papas de mon âge. Ils font le con sur une chaîne comme ça. Mr. Compote. He died a noble death, bringing great joy to a lonely man. I ain't got a very big penis. Some girls laugh when they look at it. Well, show me. Show me, boy. I don't want to. Mine ain't nothing special, but this boy gets the job done. All right? Now, Wade here says that you work at the docks. Yes. Look at me! Can you just put your Johnson away, sir? Oh, Jesus. Yes, I work at the docks. And? Anything interesting there for a man like me? Well, I mean, I don't rightly know. What kind of person are you? Oh, I'm that kind of person, Floyd. I am that kind of person. Now, let's get you, Wade, and that little tormentor down there to put these on. We are going for a ride. Gentlemen, the gateway to America awaits. Run. We got an inside man at the port of LS. I'm gonna send you some information. I need you on point to help plan things. I got it. Bon, je sais pas trop ce qu'on va faire. Je sais que j'ai l'impression qu'on va faire les YMCA. Regardez comme on est beau. Alors, on a l'Indien, le policier, hein, et le cowboy. Allez, à la jetée 400, c'est parti. Une bonne zik rock'n'roll et le bon vieux pick-up de tonton Trevor, comme on l'aime. Tonton Trevor, c'est le meilleur, c'est le plus fort. Oula. Par contre, moi, je suis pas le plus fort. J'adore me démonter les poteaux de Los Santos. Hein, de toute façon, dans le mode en ligne, si tu vois un endroit, un secteur où il n'y a absolument plus un poteau, c'est que je suis dans le secteur. Donc je suis assez facile quelque part à trouver. Hop là, regarder la caméra et conduire, c'est pas possible. Concentration extrême. J'ai pas suivi ce qu'ils se sont racontés comme un con. Tu vas me dire, j'ai fait du réglage micro. Pousse-toi. Et du coup, je vais au point jaune.
je crois que on va aller faire des bêtises. Pardon. Elle a du mal à passer, cette voiture. Quand tu me fais un doigt, là, direct. T'as de la chance que je suis en pleine mission, parce que là, franchement, un doigt, je m'arrête. Je m'arrête, je te fais la peau. C'est comme ça que ça se passe dans cette ville. Hop là, petit virage inopinant. Hop là, pardon, excusez-moi. En tout cas, j'espère que dans l'épisode précédent, tu as aimé la petite chanson Le Slip de Los Santos, qui sortira normalement en fait des deux titres la semaine prochaine. Hop là, un petit poteau. Deux poteaux, trois poteaux. Hop là, là, oh là là. Non, 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 allez, 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 voilà. Et le troisième, il est où, au fait? Ah, il est un peu chaos. Vas-y, remonte, s'il te plaît, je t'en prie. Excuse-moi. Allez, tu sais, moi, les poteaux, c'est une grande histoire d'amour. Le pauvre. Il t'a fait un tonneau, le mec, dans le coffre. Ah, faut pas monter avec moi, je te le dis, mon pote. Ça t'est risque et péril, là. Nous y sommes. Ça marche. Ça marche, mon petit gros. Je sens que ça va être le bordel. Ils connaissent pas. Garez-vous à côté de la guérie. Ouais, bah ouais, je crois que ça va mal tourner, ouais. Allez, c'est parti, on va voir le chef. Oh, j'espère que pour lui, il est tendre. Et nous, on fait quoi? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Suis Floyd. Bon, on va suivre Floyd. Donc là, nous sommes à côté du pont de Brooklyn. Ça sent le pilotage. Je voudrais pas mettre la panique à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il va falloir piloter quelque chose. Oh, un rouquin. Salut. Non, mais sérieux, il est pas beau, mon Trevor. Un ZZ Top. La dernière fois, dans les commentaires, il y en a un qui m'a dit de lui raser la barbe. Jamais de la vie. Mon Trevor, il a une barbe et des lunettes bien grasses. Une bonne vieille tête de pédoc. Ça te plaise ou non, même si ça te rappelle un tonton. C'est pas grave. Il aura un air de famille quelque part. Ils sont baraquins ici. Je pense qu'à mon avis, si tu lances une baston à main nue, il y a moyen de se faire casser la gueule assez vite. Yes, réparation et tout direct. Il répare avec un petit pistolet qui soude, mais sans fil, sans rien. Magique. Pistolet magique 3000. Ça, c'est le genre de mission. Il faut marcher tranquillou. Voilà quoi. C'est pas trop d'action. Faut faire avec. Ah, c'est parti. Ça sent pas bon, ça. Bon, allez, c'est parti, on y va. Porte-conteneur, Trevor lui saute direct. Oh bordel, je le sens pas. Une fois en place, hein, pour positionner le système de fixation au-dessus du conteneur. D'accord, ok, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? J'ai même pas comment. Ah, fallait pas que je touche le truc. Franchement, on est d'accord, j'ai rien fait de spécial, je voulais juste tester comment on lève et on baisse le truc, voilà. Qu'est-ce que ma couverture? Une fois en place, utilise. Ok. Allez, dans la douceur, on s'en va construire notre... Casse-toi la mouche. On s'en va faire les maçons de l'extrême. Je vais te montrer, moi, comment ça fonctionne. Donc d'après ce que j'ai compris, si tu veux pas fail ta mission, tu touches pas le bouton au bas, ok, hein, au cas où tu sois pas encore à cette mission, je t'explique. Alors attends, je parie qu'il nous prépare un ananas. Attends, déplacer les conteneurs marqués vers l'aire de chargement. Donc là on est d'accord que pour l'instant, il n'y a aucun conteneur de marqué. Hein? Avant que je fasse le con. Bah si pourtant... Est-ce que c'est ces deux? Petite marche arrière inopinante. Tout est inopinant chez moi. Ben ça m'a l'air d'être ça, hein. Ouais, be careful. Hein, fais gaffe, tu m'étonnes. On va essayer de pas tomber dans la flotte. En fait, tout à l'heure, j'ai dû écraser un gars sans faire exprès, j'ai l'impression. Donc là, on y va. On se met au-dessus. On règle les paramètres. On avance encore un tout petit peu. Et on descend. Non. Attends. Je sens que ça va me faire galérer, ce truc, moi.
Bah, je suis bien en face. D'accord, je vais doucement. On se met comme ça pour bien prendre la température. Voilà, et on descend. Appuyez sur pour prendre le conteneur. Ok, ça c'est fait. On va le lever un peu. Allez, c'est parti. Bon, bah, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Hein. Je pense que mon examen de passage dans l'entreprise se passe bien. Ouh, il y a du poids. On va faire gaffe. On va essayer d'écraser personne. Voilà, petit virage. J'ai l'impression qu'il va plus vite avec le poids du... On va le poser où maintenant? Là, il y a le problème. Ici. C'est ça? À mon avis, c'est là. Là où il y a le gars. Une fois le conteneur abaissé, appuyez sur pour le déposer. Ok. On va voir ça un petit peu. On va le positionner nickel. Histoire que je faille pas la mission. Voilà. Tac. Nickel. Donc là, on va chercher le deuxième. Et puis voilà. J'espère que cette mission est très palpitante à regarder. Hein. Je pense que c'est la mission qui a le plus d'action. L'adrénaline est à son comble. Tu te demandes, va-t-il pouvoir placer les deux conteneurs parfaitement? C'est super. Mais quelle aventure! D'ailleurs, je sais même pas si je la mettrai en entière, cette mission. Si, quand même. Tu mérites de me regarder en train de... Oula, doucement, freestyle. Je conduis bien, cette connerie. Et je sais pas si on peut déplacer des camions, des trucs comme ça avec. Franchement, tu le gardes dans ton garage privé. De temps en temps, tu fais une petite balade en ville. Et tu fais le con avec. Faudrait qu'on essaye. Voilà, on se met en face pour bien regarder. Voilà, voilà, doucement. Jaya, professionnel. On l'accroche, on soulève. Qui doit sucer pour avoir ce boulot? Maintenant, vous êtes payé comme des chirurgiens. Ouais, tu m'étonnes. Allez, on le ramène. J'espère qu'il va y avoir un peu de sang, parce que là, pour l'instant, ça manque un petit peu de sang, tout ça, je trouve. Un peu trop simple. Par contre, comme un con, j'aurais dû pousser un peu plus loin le conteneur. Tu sais quoi, on va le poser là pour voir. On s'en fout, hein. Voilà. Non, c'est bien ce que je pensais. Bon, ce qu'on va faire, j'ai envie de te dire, accélération. PGM. PGM. Attends, on va reculer un peu plus. Oula, doucement la grue. Voilà, on y va, on avance. Hop. On descend. Et normalement, je devrais avoir garé les deux côte à côte. On va voir, hein. Si je sors sa feuille, je suis dégoûté. Monter dans la grue pour atteindre la cabine. Ouh, il y a de la grande grue. Allez, comment on monte là? Première échelle. Allez. M'a l'air bien haute cette grue, je sais pas ce qu'on va y foutre. C'est un endroit à garder ça. Pour te... Tu sais, les petits moments détente. Eh, c'est pas le moment de... Je vais chercher ton... Je fais quoi là? D'accord. Ouh là là, ça va se compliquer. Les manœuvres vont se compliquer. Qu'est-ce que je fais? Hein, pour dépasser la cabine, utilise Select pour changer de vue. Ouais. Et je dois faire quoi? Charger les conteneurs. Oh. Je suis dessus là. Ouais, j'y suis. Doucement. Voilà, allez, on va la chercher. On l'a. On la remonte. Là, je vais où?
Attends, c'est quoi ce bordel? Lève un peu. Voilà. Doucement, doucement. Voilà. Attends, tiens, attends, je la pose où la grue? On va loin comme ça? Bon. Bah, ça m'a l'air, hein, qu'est-ce que je te dise? Ah, on y est. On va changer de... d'angle. J'avoue que, à regarder, je sais pas si ça sera intéressant pour toi, mon ami. Hein? Yes. Un camion. Allez, on y retourne. Bon, en fait, c'est tout con. Tu prends un conteneur, t'avances jusqu'au bout, tu poses sur le camion se barre, et t'es un PGM de la grue. Tout simplement. Voilà, on y est. Changement de vue. Voilà. Et on descend. Non, on descend, j'ai dit. Décale un peu. Et on descend. Attrapage. Décale. Non, et on descend. Et on descend, j'ai dit. Attrapage. Bon. Recule un peu. Hop, on descend. Et attrapage. Voilà, c'est bon. Maintenant, relevage. Voilà. Et on y va. Ouais, c'est un peu chelou quand même. Mais c'est rigolo. Soulève un peu, voilà. Un peu longué, je te l'accorde. J'espère que ça sera plus palpitant la prochaine. Parce que là, c'est mignon, mais c'est un peu con-con. Attends, il est où? Le camion. Hop là, allons, descend la grue. Doucement, doucement. Il aura le temps, Norbert, d'emmener son camion. Je sais qu'il est midi, il faut qu'il aille manger au restaurant routier du coin, mais... Et on lâche. Magnifique. All right, you're done. Break time. How about this view, huh? I'm gonna take some photos for the kids. Allez au bout de la passerelle. Et je pense que les photos vont s'être imprévues, il va se passer des trucs. C'est pas possible, il faut qu'il se passe un truc là. Utilise appareil photo. Allez, sors-moi mon téléphone. Hop, appareil photo. On y va. Photographier l'avant du bateau. Photo. Non. Bon, ce qu'on va faire, on va se faire la photo de profil de mon Facebook. Attends, pour prendre la photo, c'est... Tac. Magnifique. Elle est belle. Voilà. Maintenant, c'est fait. La photo de l'avant du bateau. Prenez une photo d'un garde à bord du bateau. Le zoom. Un garde. Ça, c'est fait. Prenez une vue d'ensemble de l'arrière du bateau. Vue d'ensemble de l'arrière du bateau. Tac, ça c'est fait. J'ai le carré pour envoyer la photo à Ron. Où qu'il est mon Ron? J'ai fait le con, je suis sorti comme un con. Ok, les photos sont envoyées. Descendez de la grue et rejoignez les quais. J'ai bien reçu les photos, je te recontacterai dès que j'aurai des infos. Bon, ça va, on lui a envoyé les photos. Je sens que ça prépare un coup sur le bateau. En même temps... Je pense que tout le monde a compris. Allez, fais-moi le hop, là. Donc là, je suis dans la grue. C'est pas ça. On va essayer de trouver la sortie sans mourir. Ça peut être intéressant, parce que là, on n'est pas sur Battlefield. Là, à mon avis, il n'y aura pas moyen de descendre en parachute. Allez, petite descente glissée. Voilà. Deuxième descente dans la glissade. Allez, bouge ton cul. Voilà. Et on y va. On court. On descend les escaliers tranquillou. Et on va rejoindre son pote qui m'attend in the Navy. Trevor, come on!
Il est où? Il est où? Monter dans le camion. Bon, bah, on va se faire emmener par le gros Robert. Conduisez jusqu'à l'aire de chargement. Oh là. Je crois qu'ils ont décidé de me mettre à rude épreuve. Hein. Entre la conduite et les grues, tout ce que j'aime pas. Allez, c'est parti. PGM du transport en commun. Enfin, du transport de marchandises, plutôt. On va essayer de rien casser. On va la jouer dans les règles de l'art. Stop. On m'ouvre le grillage. J'ai rien pété. Tout va bien. Super, ça passe. On y va. Juste faire gaffe de rentrer dans personne. Doucement. On double les camions parce qu'on est comme ça. Moi, je suis un camion pressé. On klaxonne pour dire à son pote « Ne bouge pas, espèce de trou du cul, j'arrive. » Et on s'en va en Espagne livrer les oranges. C'est parti. Chaud patate. Ah, mais il y a un deuxième quai. Ok. Oh, doucement. On va faire gaffe parce que là, pour se faire rodave et fail encore la mission, ce serait dommage. Ce que je vais suivre gentiment tout le monde. Non, c'est trop gentiment là, ça va trop doucement. Je suis bête gentil, mais toi t'es limite un escargot quand même. Moi c'est du 150 dans l'entrepôt, avec un 38 tonnes. Ça me fait pas peur. Allez. Hop. Doucement. Prends ton virage à l'équerre. Voilà, superbe. PGM. Mission parfaite. Ça sent la bagarre. Oh 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 oh. Puis ils ont l'air énervés tous là. Putain, oh, direct les mecs. Quand même, c'est un peu violent. Enfin, je veux dire, hop là, petit trevor, tranquillou, il a chourave le truc. Et je vais où là? Quitter la zone interdite. Ah ouais, direct, je la quitte en courant quoi. Aller à l'appartement de Floyd. Mais là je suis à pied là, avec une mallette dans les mains, je vais me faire dérouiller, faut que je trouve un truc. Une voiture, quelque chose, une trottinette, une grue. C'est là tu... Je repars à l'appart avec la grue, tu sais, la grue géante, normal. La sortie. Ah, il me faut un véhicule là, c'est pas possible. Bon. Cette mission aurait été un peu longasse quand même sur les bords. J'ai cru que j'avais le PC qui s'était éteint. Et là, j'allais verser une larme. Voire même plusieurs larmes. Toutes les larmes de mon corps. Allez, heureusement qu'il a de l'endurance, mon Trevor. Je lui ai déjà fait faire 2-3 marathons. Toi-même, tu sais. Triathlon même. Vélo. Piscine. Il a tout fait. Couru. Il a tout pété. Et moi, je me mets derrière les grillages comme un gros con. Les grillages bien sécurisés. Est-ce que je peux sauter par-dessus? Que dalle. Ce qu'on va faire, on va contourner tout de suite parce que là je sens que je vais aller un peu trop loin derrière les grillages. Un camion m'attend pour me filer son camion. Comme ça je pourrais rentrer en camion, hein, tranquillement, sereinement. Et les camions se sont barrés. Non, ils sont là. Où il va mourir? Doucement. On décroche. Respire. Allez, on court. Allez, on y va. Bon, en gros, on n'a qu'à aller surveiller pour le gouvernement. On va vouloir prendre quelque part, je veux dire, ce bateau que l'on a au préalable photographié. Et la mission s'annonce difficile. Enfin, arrête, calme-toi. Marche, respire. Voilà, un véhicule nous attend. Hop, et on va se faire poursuivre par la police. Non? Allez, démarre.
Et voilà. Pardon. Moi, je dois rentrer à la maison. Bon, en tout cas, c'était sympa. Bon, beaucoup de trajets, beaucoup de manipulations de grues. Dégage. Dégage. Moi, c'est Cobra. Je sais pas si tu l'as connu, ce film. Où il fallait faire des bras de fer. Ou Over the Top, je crois que c'était. Avec Sylvester Stallone. Un routier qui était champion du Texas. Film à la con. Il était champion du Texas de bras de fer. À tous les bars où il s'arrêtait, il faisait des compétitions internationales. Et il gagnait tous les bras de fer. Sylvester, il est comme ça. C'est un fou. Hop. Il reste 600 mètres à faire. On est chez le cousin. Tout va bien, dans la swag attitude. Franchement, ça se passe peinard. Je suis vraiment fier de moi. Pardon, pousse-toi, merci. Hop là. Et là, je suis à la maison. On va se garer. Tranquille, hop, voilà. What in the name of all things holy? I tried to stop it, but it just kept coming and coming. Oh, it's there, Wade. Look, it's our, Betty, you're just not cut out for honest work, all right? Did you get what you needed? Yeah, more or less. Yeah, I just got to figure out a place to plan this now. All right, this'll do. That woman ain't even fine. Ain't no one understands why Floyd lets her use him so. Oh, that's low self-esteem, Wade. We gotta build him back up. Now! And there, perfect. All right, so, based on my observations, I'd say these Merryweather security cocksnots are sitting on something real valuable. I think they got two of these things, but we only need one. First one is on that freighter in a container below deck. They got guards all over that ship, so it's likely they're keeping it on ice. The air, land, and sea routes into the port will be locked down as soon as we make a noise at these X's here. Which means we have to blow up the ship and grab the thing underwater. Need a guy to plant the bombs, a guy to look out from with a rifle, and a guy to grab the thing, whatever it is, underwater. That means stealing us a submarine, of course, but you can find us one of them, can't you? Huh? Now, the other one is off the coast being tested. They're running the operation from the dock where I last saw your cousin. We'll need a submarine for that too, and probably a chopper, a big one. We go out there, look around underwater, locate it, bring it back here, and find out what it is. Here? To the Congo? Aight, so, what do you think? Container ship or whatever's offshore? Choisissez une approche pour ce braquage. Cargo ou au large? Cargo ou au large? Faire couler le cargo? Au large. Bonne question. C'est quoi le plus simple? Il devrait marquer facile, pas facile. Qu'est-ce qu'on fait? Cargo ou au large? Cargo. Regardez le tableau. Retour confirmé. On confirme. On y va. Et le stagiaire n'aurait rien à dire. Is that smell? Oh, we are going straight to the local union rep. Wade here was injured in the performance of his duties. Human waste has seeped into his very pores, and I am sorry to say this, but I don't think he's ever going to smell normal again. You can't go to the union. You are union, all right? And you vouched for us, all right? You look at him, man. Smell him. No. Smell him. Trevor, you're planning a robbery on my place of work. You violated Mr. Raspberry Jam, and God alone knows what else. You damaged Deborah. Look, my lady and my union, that's all I got. So why don't we just, let this all slide, huh? If you're comfortable with what's happened to your cousin, then so be it, all right? But I would give him a bath and rinse him off. No! No bath! Pourquoi il veut pas se laver, ce gros dégueulasse?
Il est chelou, ce jeune toxicomane. Bon, qu'est-ce qui se passe? De la merde, plein l'appartement. C'est dégueulasse, mission réussie. Médaille d'argent, 80%, employé du mois, surveillance parfaite, durée, journée de labeur. Et le temps, réessayer. Ah, j'ai réessayé. Oui, oui, ce que j'ai fait, autrement j'aurais eu or, direct. Continuer. Bon. Ben, ce qu'on va faire... On se casse. Ah, Trevor. Hey. Mikey, hey, listen. Loving it here in LS, really. Le mec, il arrive full bordel, tu m'étonnes qu'il trouve ses marques à Los Santos. Il est à peine dans le délire depuis un mois que le mec, il... Oh, il y a mon camion. Nickel. Mon camion est là. Allez, mon joli camion. Ce qu'on va faire, on va aller sur le F, on va voir ce qui se passe, parce que j'avais plus de mission proposée par pour Trevor. Donc ça veut dire qu'il faut continuer avec Frank là. On rentre à la maison, c'est parti. Moi je te dis que dans 3 secondes, c'est cinématique. Cinématique. You ain't been to the set, ain't came to none of the meetings. Hanging out with old men, ignoring your homies, acting all superior? Your mama would turn over in her grave, boy. So you giving me a lecture about not being a good enough gangbanger? Gangs is positive. That's all we got, my nigga. That's our heritage. Ain't nothing positive about your crazy ass. Man, where Tanisha at? She got more sense than to hang out with your sorry ass. You know you always been like this, boy. I say left, you say right. I say become a doctor. You say become a patient. I say, who is that? Hello, Missy. Wow, Franklin. You never told me that you had a sister. I'm Denise, Franklin's housemate. And aunt, my mother's old dried up ass shut sister. Shut the fuck up. Yeah, shut the fuck up. Here, darling. Why don't you go get yourself something nice, okay? Et lui mettre son cul. Vieux pervers, non, mais sérieux. You want to be a greedy fucking cow, huh? No. Now get the fuck out of here, all right? You men are all the same. Man, what the fuck you doing here? Here with the boy, the boys. What? I'm fucking new in town. I'm making friends, all right? Now let's party. Look, I had plans on getting some rest until this clown and my aunt came and fucked that up. My nigga, I just came over here to holler at you about the little thing. Man, I said I'm tired, dawg. What fucking thing? I love things. I'm the king of things. I ain't talking to you, homie. Hey, let's go do something about the thing, okay? What thing? I'm talking about the little stress thing, man. Fucking beautiful. Perfect. It's a gangbang. Let's go. Come on. Come on, who is this fool, man? What is this nigga? Man, just come on. Bon, c'est parti. Allez, on fait monter. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié, je suis Franklin. Dans ma tête, j'étais encore Trevor. On monte dans le trafic, hein, 3 quarts d'heure de route, je sais pas où on va. Grove Street, 600 mètres, sur un fond de radio hip-hop. Bon. Je suis gangsta à donf. T'excites pas la mare, c'est quoi le plan? Vous avez prévu quoi au Scratch? Je sais pas si c'est encore en... à voir avec la mission des Dockers, mais je sais pas ce qu'on va faire. On va pas se mentir, on va se dire la vérité. En face to face. Hop là. On est arrivé. Sors, qu'est-ce que tu fais? Voilà, dis donc. Bon, on va dans la maison. Et on va voir ce qu'on nous propose. Tu veux pas marcher plus vite? Non. Ça m'énerve de devoir marcher tranquille alors que t'as envie de courir. Courier service. Packages to collect. You got the grip? Present and accounted for. You like that, huh? Sample? Now we talking. My throat getting numb already. So we good, nigga, right? Well, let's go. How about a taste? No, man, we leaving.
I want a taste of the other side of the brick. Now, you heard what your boy said. You're leaving. Hey, give me the back! Whoa. What the fuck? Did we ask for a key or a fucking ounce? Man, that's motherfucking drywall. Hey, we got some motherfucking buyer's remorse out here. You can't fucking hustle a hustler. Je crois qu'on a des problèmes avec le quartier, là. Allez, c'est parti. C'est la guerre. Hop là, un peu d'action, ça fait plaisir. Hop là. Hop là. Hop là. Dans la voiture. Échapper. Avec... Allez. Hop là. Ce qu'on va faire, on va faire comme ça. On va prendre Trevor, c'est bien plus sympa. Parce que Trevor, c'est un psychopathe. Allez. Hop là. Allez, sors ta cachette, on y va. Cache-toi. Hop là, et de 1. Et de 2. Moi, ça me plaît quand ça part en couille. Cache-toi dans la voiture. Action man. Carnage. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Oh là, j'ai fait une doublette à la Wartech. Hop là. Il y en a un derrière moi. Non ? Oh, c'est le bordel. J'ai un point rouge derrière moi, je sais pas d'où ça vient. Attends. Non, range ton téléphone, on s'en fout de ton téléphone. Ah, mais j'ai mon lance-patate. Mais c'est génial. Allez, lance-patate. Attends, attends. De traillette. De 1. Voilà, mon AK-47 en or. On va se cacher un coup derrière le muret parce que ça sent pas bon. Lui là. Eh, hey, tire pas à travers le grillage, t'enfoiré. Mais qu'est-ce qu'il me fait, bordel, c'est en train de bugger. Voilà, et de 1, et de 2, et ta mère, ta sœur. Allez, allez, on se casse, on se casse. Cache-toi là la poubelle. Et toi en moins, toi là-bas, c'est pareil. Toi, je te dis les mêmes choses. Toi, je te passe le bonjour. J'ai le téléphone qui s'excite, c'est super. Allez, lâche la poubelle. Avance. Va te cacher avec Franklin. Cache-toi. Voilà, fonce dans le tas. On s'en bat les couilles. Va te cacher. On y va. De 1. Il n'en reste plus que 2 de façon. Voilà, superbe. Reparti. Oui, il y a encore du monde qui arrive. Cache-toi derrière la voiture. Hop là. Toi là-haut. Le petit frère, Jonathan, Jennifer, Francis, l'autre là-haut, là-bas. Oh putain, il y a des flics qui débarquent. Allez, 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 on se casse, on se casse. On se casse, on se casse, on se casse, on se casse. Ah mais là, 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 on va avoir 50 étoiles, là, on est mort, là. Allez, faut qu'on se barre là, j'ai tué plein de flics, on est 3 étoiles, c'est showtime. Waouh, on va se barrer en jet ski, j'y crois pas. Non, ça va être chaud. Et on va où là? Bon, ça, en tout cas, ça fait plaisir un petit peu d'action, hein. On est d'accord. Pousse-toi. J'y crois pas, je suis sorti comme un con. Allez, pousse ta voiture, pousse là. Non, j'y crois pas. Non, mais franchement, il y a que moi qui ça peut arriver ça. Franchement, c'est le genre de truc. Deuxième essai. On prend Franklin, ce sera plus intéressant. Aïe. Ah merde, la gadjie. J'ai pas normalement une compétence conduite avec. Non, je croyais. Bon, l'hélicoptère au-dessus du dos, suivez la mare, c'est parti. Là, on est 3 étoiles, on a tué des flics, on vient de faire un gros carnage dans un quartier. À part ça, tout va bien. Je pensais que Franklin, il avait le... Oula. Le poteau, on l'évite, superbe.
Bon, pour l'instant ça va, c'est pas une course-poursuite non plus, je vais dire, de fou, hein. On est un peu tranquille sur la flotte, on va tout droit, puis voilà, on se fait un peu tirer dessus, puis c'est pas bien grave. Il te suffit juste de suivre ton collègue devant, hein, je vais dire, ça casserait pas une patte à un canard, je sais pas si ça se dit. Ou une histoire de trois pattes au canard, l'expression je m'en rappelle plus trop. Mais tu m'as compris, c'est l'essentiel. Tu demanderas à ton papy, des expressions à ton papy, c'est en général. Allez, on descend. C'est parti. On va où là? C'est toi ou moi? Qu'est-ce qu'on fait? Okay, j'en ai marre que tu prennes. Échapper de la police avec Lamar. Lamar au canard. Il est où Lamar? Ah, c'est Lamar qui me suit en fait. Ah ouais, direct, c'est Lamar qui me suit, génial. Là, on peut pas. C'est superbe. Alors, va échapper aux flics, toi, quand t'es comme ça. Je crois qu'il faut trouver un petit coin tranquille et se faire oublier deux secondes. Allez, cours. Tant que l'hélicoptère, il nous voit, c'est pas bon. Là, on est dans un gros champ de vision de l'hélico. Toujours. Voilà. Et on attend, patiemment. Il faut foncer ou faut attendre? Non, attends, fais-moi confiance. T'attends peinard. Regarde, personne nous voit là. Regarde, tu y vas tranquille. Tu te caches là. Là, ils savent pas qu'on est là. Ils nous cherchent de partout. Nous, on est derrière notre poteau. Et normalement, les flics devraient partir. Voilà. Pourquoi se prendre la tête? Allez chez Lamar. Faut pas se prendre la tête dans le jeu. Faut se cacher. Ça sert à rien de faire PGM, courir partout comme un con et te faire attraper. Tu te caches. Basta. Donc maintenant, on va trouver une solution pour sortir d'ici. Ça serait intéressant. On est un petit peu en bas. J'aimerais trouver une échelle. Allez, on rentre notre arme, on y va. On tape un sprint comme Carl Lewis. Ou Usain Bolt. Je crois que Usain Bolt, c'est la chanteuse. Allez. Et après, on s'arrête ici parce que là, je crois que ça fait un épisode de 4h30, hein. À faire du. Le Dockers, un braquage. Préparation d'un braquage. Et faire carnage dans un quartier. Voilà. Ce qui est plus normal dans une vie normale. J'ai envie de te dire. Est-ce qu'on peut monter sur le côté là? Si je m'enterre. Tu se mets un gravillonneux? Non, on peut pas. Oh, je suis au taquin d'endurance, 100 plus 100. Là, je t'ai fait un. Bon, c'est en train de me péter les burns. Comment? On va reprendre le scout, on peut pas. Ils sont plus dans l'eau. Je suis tout en bas, c'est génial. Là, je sais que ceux qui ont déjà fait la mission doivent se dire « Mais il est con comme manche à balai, il y avait une échelle derrière. Moi, je l'ai pas vue, je vais courir sur la plage jusqu'à que je puisse accéder sur le plateau quelque part. Et après, on verra. » Donc, je te dis à tout de suite chez Lamar. Non, je sais pas comment on peut faire. Sinon, tu vas me regarder courir pendant des heures. Allez, un petit saut. Voilà. C'est super, j'adore me compliquer la vie. Après 3 bonnes heures de course, nous voilà véhiculés. Pour aller chez Lamar et repéré par les flics, sinon c'est pas rigolo. Ils nous font chier, ça va falloir aller se cacher encore. Bon mon pote, maintenant je te dis, on se retrouve chez Lamar parce que ça commence à être un petit peu long pour toi. Je te comprends. Il a fallu que j'attende encore 10 minutes de plus que les flics me foutent la paix. Et maintenant, je peux enfin finir cette mission, hein, qui aura duré 4h30. Voilà, pour avancer à 2% du jeu, c'est génial. Dégage. Petite marche arrière, on y va, à tout de suite. Bon, ben, ça m'a l'air d'être mission réussie. Hein, je sais pas si on s'est fait un peu de lover, mais j'ai pas l'impression. Réussi. Bronze, pas terrible, tir à la tête 5 sur 12, ok, ça marche. Bon, portez-vous bien, au prochain épisode, j'espère qu'il y aura des meilleures missions que ça, parce que là, c'était mi-molle quand même. A plus, ciao.